Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire le tuto du Kinder Bueno Mini. Alors, il vous faudra de la pâte Fimo Professionnel couleur chocolat, de la Fimo Champagne, c'est de la Fimo Professionnel, lame, couteau, scalpel, lame flexible et lame rigide, puis sinon cet outil suffira. Après, il faudra une brosse à dents, de la pâte noire numéro 9 en Fimo Soft, voilà. Ensuite, il vous faudra un pinceau pour appliquer la pastèque sec pour donner une petite couleur un peu plus foncée au chocolat. Et un emporte-pièce, fleur ou trèfle suffira. Trèfle, voilà. Aussi un rouleau et le bout d'un pinceau. Le bout, juste on va avoir besoin pour peaufiner. Voilà. Et peut-être de l'eau pour ramollir la pâte. Voilà, c'est tout. Donc, en premier, on va prendre la Fimo au chocolat. On va couper à peu près la moitié de ce qui vous reste. Hop. Voilà. Ça, on va le former en boule. Ça va être pour plus tard. Donc vous allez avoir besoin souvent de pâte chocolat. Hop. Vous formez un peu en boudin, comme ça. Voilà. En boudin comme ça et vous l'aplatissez avec le rouleau. Voilà. On va couper dans cette pâte, à peu près épaisse comme ça, voilà, un carré en coupant un peu en diagonale, comme ça. On va couper comme ça la pâte. Ensuite, on va faire de même, mais en sens inverse pour l'autre face. Ensuite, on fait là, ça là. Voilà, on fait ça de côté, hop, voilà. Voilà, on fait un peu les bords penchés pour donner vraiment l'effet qu'on veut. Donc maintenant, on va prendre un reste de pâte, n'importe lequel, qui soit de la bonne taille. C'est de la pâte beurk, donc voilà. On va prendre aussi un peu de reste de marron si c'est pas assez gros. Peut-être ça va aller, peut-être. On va rajouter un peu de reste de marron. Cette pâte beurk. De toute façon, elle va être recouverte. Voilà. Hop, ça me va, comme ça. Donc, vous allez former un peu en dôme carré. Je sais pas trop comment vous le dire. En tout cas, c'est un peu arrondi. Si vous préférez. Hop, hop. Comme ça.
Hop, vraiment là, hop. Comme ça, comme ça. Oh. Donc là, ça me va. Donc maintenant, on va mettre ça de côté. Puis on va reprendre un reste de pâte marron pour recouvrir ensuite le petit carré mini de Kinder Bueno. Attendez, faut un peu le reformer parce que sinon il n'est pas vraiment Kinder Bueno le petit carré, parce qu'ils sont un peu rectangulaires je trouve. Voilà, donc alors revenons. Voilà, vous allez un peu l'aplatir comme ça. Si vraiment ensuite vous en avez pas assez, vous prenez de la pâte marron. Comme moi, je pense que je vais devoir le faire, peut-être. Ouais. On va reprendre un peu de pâte marron, ça va être mieux. On va reprendre un petit ça comme ça. Voilà. Je vais essayer de me dépêcher pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc vous mélangez bien. Ouais. On va se dépêcher. Hop. On va se dépêcher, on va augmenter la cadence. Je suis assez lente, donc je vais essayer de me dépêcher. Youtubeur, youtubeuse, j'espère que vous allez liker ma vidéo pour ma première vidéo, hein. C'est ma première, donc s'il vous plaît soyez gentils. Bon, alors, hop, voilà, on va le décoller du... Essayez d'éviter de faire des bulles d'air, sinon c'est pas joli, joli. Hop, on va rafraîchir un petit peu le coup, voilà. Hop, voilà, elle est toute jolie. On va reprendre notre petit carré de Kinder Bueno, qui n'est pas encore Kinder Bueno. Là, je trouve que c'est assez gros. On va un peu rétrécir. Être un peu moins généreux. Prendre tout ça, hop, on va le couper. Voilà, on va mettre ça là, hop, parfait, là aussi, hop, là on va essayer d'éviter de faire, hop, voilà, parfait, on va couper là, ça là, on dirait un peu une raviole, je trouve. Bon. Hop. On peut couper là, voilà. Hop. Voilà. On peut aplatir. Donc, on va faire l'effet croqué. Comme si quelqu'un avait croqué dedans. C'est toujours un bel effet. En prenant cette emporte-pièce. Non, c'est un peu petit, on va prendre plutôt celui-là. C'est assez gros quand même. On va prendre celui-là. Ah voilà, ça fait un meilleur effet. Ne vous inquiétez pas si on voit ceci.
On va recouvrir avec de la fimo champagne. Voilà. Puis reste, on les met de côté. Avec de la fimo champagne, on va prendre un petit morceau. Alors, hop. Ah mince, pardon. Hop, voilà. Un bel et petit morceau. On fera l'affaire. Un tout neutre, ce serait le mieux. Évitez de le tâcher. Ok, alors. On va un peu peaufiner ça là, les petits crocs avec notre fameux pinceau. Oula, notre petit pinceau. On va faire comme ça. Hop. Hop, on va un peu pincer côté pour donner un petit effet. On va adoucir avec le pinceau. Pincer, adoucir. Hop. Adoucir, voilà. Donc ensuite on va venir aplatir ça, la fimo champagne. Oui. Oula, pas bien. Voilà. Hop, voilà. Donc ensuite on découpe ceci qui est en trop. Voilà. On peut découper, mettre dans les restes. Hop, ensuite on peut découper là. Surplus pâte. Hop, voilà. Donc vous allez reprendre votre emporte-pièce trèfle et vous allez redécouper. Voilà, bien joliment. Vous allez réadoucir pour bien faire cet effet de croquet. Voilà, hop, va un peu texturer avec le bout comme ça, voilà. Un peu cet effet mousseux, voilà. On peut faire comme ça, rentrer. Voilà, hop. Et ensuite, hop, on va aussi un peu radoucir. Et ensuite, on va un peu texturer les crocs avec la brosse à dents. Comme je vous le dis, je suis très lente. Donc maintenant, on va prendre le noir et du chocolat. Et on va... Voilà.